Salut à tous, c'est Opium, bienvenue sur cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, on va parler d'un des événements les plus importants dans l'industrie vidéoludique, l'E3. Alors, important pour qui, pourquoi, quels sont les enjeux, l'utilité de l'E3, à quoi ça sert, c'est ce que nous allons voir. Donc l'E3, l'Electronic Entertainment Expo, a lieu tous les ans au mois de juin, en général à Los Angeles, et est considéré comme le plus grand salon international du jeu vidéo et des loisirs interactifs, exclusivement réservé aux professionnels et aux journalistes. C'est en quelque sorte la grande messe annuelle des fabricants de consoles et des gros éditeurs de jeux qui a lieu cette année du 10 au 12 juin et fête sa 20e édition. Ce salon est principalement axé sur la rencontre entre les acteurs du secteur et les journalistes. Il s'agit en gros de grandes conférences à la limite du show où les consoleux et les éditeurs présentent leurs projets pour l'année à venir. Le premier E3 a eu lieu en 1995 alors qu'il n'existait pas de salon dédié aux jeux vidéo. Il y avait bien le CES, le Consumer Electronics Show, depuis 1967, qui a lieu aujourd'hui en janvier de chaque année à Las Vegas, mais il s'agit d'un salon sur les innovations technologiques en électronique grand public. L'E3 est donc le rendez-vous incontournable pour les acteurs du jeu vidéo. On y retrouve les trois fabricants de consoles, Microsoft, Sony et Nintendo, ainsi que les plus grands éditeurs de jeux comme Electronic Arts, Activision, Ubisoft et plein d'autres, chacun faisant sa propre conférence. Et on ne peut pas dire qu'ils y mettent pas le paquet, puisqu'au final l'E3 ressemble à une grande action de marketing et de communication pour montrer sa supériorité face à la concurrence. L'édition 2013 avait été marquante par le fait que Sony et Microsoft sortaient tous les deux une nouvelle console, la Xbox One et la PlayStation 4, Microsoft en vert et Sony en bleu. Les consoleux viennent donc pour dévoiler leurs projets, voir une nouvelle console quand c'est le cas, avec des démonstrations, des explications, et aussi principalement montrer des jeux vidéo qui sortiront dans l'année, ou qui sont juste en cours de développement. C'est ainsi que de nombreux trailers, des nouveaux jeux, sont montrés aux journalistes qui n'en perdent pas une miette et se font une joie de relayer les informations. Depuis 1998, un groupe indépendant du salon remet les Game Critics Awards qui récompensent les meilleurs jeux dans différentes catégories, meilleurs jeux, jeux de combat, jeux d'action, etc. La plupart du temps, ces récompenses sont attribuées à des jeux qui sont encore en cours de développement, ce qui n'a pas vraiment de sens parce que le problème est bien là avec l'E3. En effet, le salon étant une immense vitrine commerciale pour chaque acteur, ce qu'il montre aux journalistes qui se feront les relais à travers le monde doit être au top. Et il se trouve que la diffusion des trailers des jeux présentés, mais pas encore finis, ni en vente, montre parfois, même souvent, des images de jeux à la limite du bidonnage, des gameplays qui ne sont pas toujours dans la version finale du jeu. Et cela a de quoi déconcerter et les journalistes et les joueurs quand enfin le jeu est mis sur le marché. L'édition 2013 s'étant axée principalement sur la sortie des consoles Xbox One et PlayStation 4, l'édition 2014 devrait plus se concentrer sur les jeux vidéo. De très nombreux jeux seront donc présentés. Et le problème avec une nouvelle console, c'est qu'un nouveau jeu doit tourner sur PS3 et PS4 par exemple, ou Xbox 360 et Xbox One, donc en cross-gen. Or, la next-gen étant forcément plus puissante, la PS4 et la Xbox One ne montrent pas toutes leurs capacités avec des jeux qui doivent être adaptés à des consoles moins puissantes. C'est pourquoi démontrer la puissance de sa console, même si PS4 et Xbox One sont quasi similaires, ne peut se faire qu'avec des jeux sur ces deux supports en full next-gen. En y rajoutant le support PC bien sûr. Ce sera donc le cas des jeux comme Evolve, Star Wars Battlefront, Metal Gear Solid 5, Final Fantasy 15, Far Cry 4 ou encore Assassin's Creed Unity. Des jeux qui sortiront probablement en fin d'année à mettre directement sous le sapin. Probablement car il arrive parfois que des jeux présentés à l'E3 ne sortent pas dans l'année qui suit comme ce fut le cas pour Watch Dogs, annoncé à l'E3 2012 et sorti finalement il y a quelques semaines. Mais bon, ça permet de sortir quelques trailers, quelques teasers de plus pour faire monter l'envie chez les joueurs. Depuis le début, je n'ai pas parlé de Nintendo, qui aura des portages de jeux sur sa Wii U et sa 3DS, mais en bien moins grand nombre que chez Sony ou Microsoft. Sony et Microsoft qui feront donc leur grande conférence la veille de l'ouverture de l'E3, Nintendo, eux, se contenteront encore une fois de montrer leurs nouveaux jeux en streaming de par leur Nintendo Direct. Pas de show de folie pour Nintendo donc. Cela ne les empêchera pas de présenter des jeux comme Legend of Zelda sur Wii U, et Super Smash Bros sur Wii U et 3DS. À croire que Nintendo font dans le recyclage sans jamais prendre de risques pour innover. Sinon, pour ce qui est des autres jeux qui sont assez attendus lors de cette E3, on peut citer Call of Duty Advanced Warfare, édité par Activision, Battlefield Hardline, FIFA 15 et Mirror's Edge 2, édité par Electronic Arts, Halo 5 Guardians,
et Gears of War pour Microsoft, ou encore Batman Arkham Knight et Mortal Kombat 10 édité par Warner Bros. Dans tous les cas, l'E3 reste le salon incontournable pour tous les éditeurs et les constructeurs de consoles, délaissant parfois d'autres salons car les places sont chères. On verra ce qu'il ressort de cette E3, où il est clair que les acteurs du secteur vont mettre le paquet pour se démarquer de leurs concurrents. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, et pourquoi pas regarder d'autres de mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique, ciao !